autorités ivoiriennes, il est logique de penser qu'elles disposent elles aussi d'éléments utiles. Par exemple, concernant les mouvements de troupes, aussi bien gouvernementales que rebelles. Or, il est frappant de constater que le procureur n'apporte aucun élément à ce propos. Alors, avec votre permission, Madame la Présidente, je m'excuse d'interrompre mon collègue, mais je crois qu'on déborde à cette étape-ci le cadre de, premièrement, une requête. Enquête en recevabilité et l'agenda, la cédule. Il s'agit de questions préliminaires et non d'avoir l'occasion de faire à plusieurs reprises un opening statement ou des déclarations liminaires. Mon collègue aurait la chance de faire ça demain. Mais à cette étape-ci, quelles sont les requêtes? Quelles sont les demandes? Ce n'est aucune. Il y a des requêtes préliminaires à faire en vertu de 122.3, qu'on les fasse, mais ce n'est pas l'occasion de, à nouveau, faire des déclarations liminaires avant même que le bureau du procureur ait la chance de faire les siennes. Selon l'horaire demain, on aura l'occasion de faire cela et également de discuter de l'ensemble de la preuve lors des présentations de la défense. Je vous remercie. Effectivement, il faut se concentrer maintenant dans des questions de la recevabilité et de la question des irrégularités des procédures. En tout cas, maintenant, vous avez seulement 5 minutes avant la pause. Alors, ou bien vous reprenez avec vraiment des questions, des procédures, ou bien maintenant, si vous préférez, on peut suspendre pour reprendre à 4 heures. Merci, Madame la Présidente. Ce sont des questions fondamentales qui ont trait à la procédure, qui ont trait à la manière dont ce procès est mené. Ce sont des questions essentielles que nous devons porté devant la Chambre et que nous devons discuter. Et il n'est pas acceptable que le procureur, sous un prétexte quelconque, empêche le professeur Jacobs de développer son argumentation. La parole ici est libre, pourvu, vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, c'est juste que nous traitions ce qui était prévu. C'était prévu. Ce sont des questions de procédure. Le professeur Jacobs va terminer sa démonstration sur ce point. Cette démonstration n'aura pris que quelques minutes. Il va arriver à sa conclusion, une conclusion juridique, et je voudrais, s'il vous plaît, qu'il soit rappelé au procureur de respecter le caractère contradictoire des débats, même si les éléments, qui sont des éléments de fait, un constat, ne lui plaisent pas. Vous pouvez continuer sur des questions qui font à des questions des irrégularités de la procédure seulement. Même si ce sont des choses importantes, il faut que ce soit dans le cadre alloué à ce type de questions. C'est bien clair. Vous avez 4 minutes et après, je vais vraiment vous couper pour faire la pause d'une demi-heure qu'on avait arrangée. Merci, Madame la Présidente. Je n'aurai pas besoin de plus de temps. Le point que la défense soulève ici est effectivement une question de procédure, une question liminaire. En effet, toutes les demandes que la défense a faites tendant à obtenir des trois protagonistes essentiels, que sont l'ONU, la France et la Côte d'Ivoire, les éléments nécessaires à la compréhension des événements, se sont heurtés à un mur de silence ou ont suscité des réponses dilatoires. Cela a un impact certain sur la procédure et mérite d'être discuté dès le début de la confirmation des charges.
la transmission de tels éléments est indispensable du fait de la modestie, notamment, des éléments de preuve apportés par le procureur. Par conséquent, il paraît nécessaire de repousser l'audience à un moment où la Chambre pourra disposer des éléments indispensables à la manifestation de la vérité. J'en ai fini sur ce premier point. Peut-être serait-il plus judicieux de faire la pause maintenant ? Oui, je crois, parce que vous avez seulement 2 minutes, alors oui. C'est mieux, je pense, de suspendre maintenant. D'accord. Et on revient à 4 heures. On suspend la séance. All rise. Leave it there.